Allez, on continue Medieval Dynasty. Nous sommes l'hiver et alors qu'est-ce qui a changé depuis? Coucou YouTube. Mais oui, coucou YouTube. Qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est que j'ai construit un poulailler, mais j'ai pas de poule. Voilà, incroyable. J'ai assigné quelqu'un au poulailler. Bonsoir, c'est ici les streams depuis le cloud. Bonsoir Rhapsody, c'est ici les streams depuis la Médiévalence, depuis le Moyen-Âge. Je suis en direct du Moyen-Âge. Voilà. J'ai construit quoi d'autre? Voilà, j'essaie de construire une putain de réserve à bois parce que je me dis que peut-être que ces cons qui coupent du bois, eh ben, ils sont trop loin de la réserve. On va essayer de récupérer des données. Quelques-unes, mon Raps, quelques-unes. Mais je m'étais fait à l'idée, donc voilà. Donc cette très chère étendre a l'air d'être un peu bokeh. Mildreda, je crois qu'on va devoir t'amputer, tu as la jambe folle. Tu as la jambe folle. Mildreda, bougez un peu s'il vous plaît. Voilà. Hop là, la froid au pied. Donc ces gens-là, ils coupent du bois, mais je pense que la réserve est beaucoup trop loin pour eux. Donc je suis en train de construire une réserve. Bah, pff, voilà, Reserve City, quoi, la réserve de ouf. Et j'ai construit une petite cabane de pêcheurs là-bas. Hey, wanna be famous by followers? Ah, il y a un bot à dégager là, je crois. Un bot qui s'appelle Kuro. Juju a été plus rapide. Très très réactif, Juju. Admirez cette petite cabane de pêcheurs où il y a une dame qui est censée. Gustava est censée être une pêcheresse, on dit. Apparemment, c'est ça. Heureusement que je suis pas modo, c'était ban instant pour Kourosine. Pas fou la réaction. Pas ouf, hein, j'avoue, c'est pas. Il fallait s'y attendre. Boomer timing. Mais t'es un boomer, Kourosine aussi. Arrête. Arrête de dire les autres c'est boomer alors que t'es un boomer. Donc voilà, elle c'est une pêcheresse, enfin une femme qui pêche. Et elle m'a déjà pêché 4 poissons. Incroyable. Pas ouf, 4 poissons, va falloir y aller, meuf. Donc, on va finir de construire cette putain de réserve de malade. Alors, on va voir si ça me résout ces problèmes. Être boomer me permet de reconnaître les autres boomers plus facilement. Ça, c'est vrai, c'est un skill. C'est un skill qu'il faut utiliser. Et alors, du coup, il manque quoi? Ah, si, il manquait. Donc, il faut que je finisse le toit. Donc, on n'est pas rendu. Hein. Ta mère, il me faut des planches. Il me faut 6 planches et une bûche. Sachant que pour faire des planches, il me faut aussi des bûches. Voilà, pour faire une planche, il me faut une bûche. Donc, il faut beaucoup de bûches, quoi. Donc, ça veut dire abattre énormément d'arbres. Donc, voilà. Je suis désolé, la forêt de Sherwood, mais je vais devoir te décimer. Voilà. Marie? Marie qui? Qui tu traites de Marie là? Attendez, je fais un AVC, j'ai pas compris. Voilà, bûche, bûche. Marie la forêt. Ouf. Ouf. C'est de mon époque. Bah, tu vois, je préfère mille fois bah, avoir perdu toutes mes données. Enfin, à choisir, je préférais les reperdre là tout de suite que de réécouter cette blague. Voilà, t'es votre clair là. Wow. Deal. Bah, deal non, parce que j'ai pas envie de remonter dans le temps pour revivre cette expérience traumatisante. Voilà. Donc, mais vas-y, format. Format! Après, à ma décharge et à ma charge, formater une clé à 2h du matin en se disant c'est ok, ça doit être celle-là. Je pense que j'ai fait meilleur move dans ma vie. Je pense que j'ai fait meilleur move dans ma life. Hein.
Là, je pue en plus, putain, je suis full puanteur, quoi. 53% de salition, de salitude, de salissement de mes vêtements. Obtenir. Ah oui, mais ça, alors mon objectif, c'est ça, hein. C'est d'avoir une répute de ouf. Il faut que j'aille parler à l'autre con, là. Attendre la prochaine saison, parler à. Ah, il faut que j'aille lui parler. Depuis que t'as une femme et un gosse, t'es négligé, de ouf. Alors, en même temps, ma femme, elle s'occupe pas de moi, elle s'occupe que de mon gamin. Je me sens laissé pour compte et. Voilà quoi. Voilà, donc je vais faire full planche. Petite blague de bouffe du sort. Bah, effectivement, voilà. Une femme quoi, voilà. C'est une petite blague de bouffe. On cautionne absolument pas. D'ailleurs, bah, tu n'as plus le droit de citer sur ce stream. Et si je te mets mon pied au cul, ça devient ton problème? On a le droit à la beaufrie ici. Je vous laisse seul juge de ça. Vous savez que la beaufrie, j'ai pas mon permis. Hein. Quand on est adepte de quinoa et... Parce que sur une autre chaîne que je ne citerai pas... Ah bah, les autres sont voilà, responsables de leur chaîne. Hein. Moi, je m'occupe de la mienne aussi bien que je peux. Vous allez me dire, c'est pas fameux, et vous avez raison. Surtout quand on est face à clé USB. C'est 6 planches quoi, mais pouah, c'est trop cher. Ah, ça c'est un seul toit. Ah d'accord, je crois que c'était deux. Ah donc ça va, donc il m'en faut encore. Oh putain de maillet qui se pète. Ah, j'ai ma hache qui va se péter aussi. Attends, il y a une bûche là-bas, mais... Pas d'autres bûches qui traînent là. Bah, ça c'est de la bûche quand même bien calibrée. Hein. Elle tombe de l'arbre comme ça quoi. J'ai 245 bâtons sur ma gueule. Oui. Écoutez cette hache se briser. Voilà, alors qu'il me reste que un truc. Super, j'adore. Adore. Il pleut des bûches. arrêtez ça, s'il vous plaît. Que je vais avoir droit encore au moins un tour de bûche. Il faut que j'aille me laver parce que je puire beaucoup trop. Parce qu'elle là-bas, je sais pas ce qu'elle fout, mais elle fait vachement semblant de couper du bois. Hein. Planche. Alors, est-ce que t'as pris ton pied sur Céleste, Juju? J'ai l'impression que c'est le jeu, c'est ton jeu de l'année, quoi. Au grand dame de Yume. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire Céleste? Mais pourquoi tu t'es... Pourquoi tu t'es... C'est vraiment un gros tas de merde. Ah, d'accord. Les mots sont durs. T'as perdu un pari avec Yume? C'est quoi le délire? J'ai bien compris pourquoi tu voulais t'infuser. En plus, tu y avais déjà joué à ce jeu, en plus, non? Alors, du coup, ça, c'est bon. Yo, mon maillet en bois. J'avoue, ça t'a pris comme l'envie de chier, quoi.
Il m'a défié sur parole. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Vous êtes en mode cow-boy, quoi. Vous lancez des petits défis comme ça. Donc, il me faut 1, 2, 4... Ah, mais attends, les gars, ouais. Mais ça, ça compte quand une bûche au milieu. Oh, fuck. 1. Donc, 3... 5 bûches. Et vu que j'ai des petites couronnesses qu'il faut remplir des gourdes. Ah. Très bien, très bien. Bah, ok. C'est une drôle d'explication, quand même. Très bien, soit. Et une bûche. Deux bûches. Et trois bûches. Au printemps, on va aller chasser, les gars. Parce que la chasse, c'est marrant. Quatre bûches. Cinq bûches. Enfin, j'en prends plus, hein, on sait jamais. Si j'en perds une en chemin. Prendre celle-là aussi. Je strafe, hein, parce qu'on marche plus vite quand on strafe. C'est une technique bien connue, hein, des joueurs de... Mais... Mildreda, tu peux faire quelque chose? Je vois vraiment juste te promener, moi, ça me gêne. Maillet. Ah, loupé. Yes. Loupé. Yes. Yes. Oh là là, attention. Yes. Stockage de ressources. Version 2 terminée. Putain, c'est vachement plus grand, c'est vachement plus spacieux. C'est fou. Alors du coup, est-ce que ça prend en compte... Voilà, si je fous ces bûches dedans, là. Plac. Si je fous tous les bâtons ici, dedans. Plac. Ça prend en compte, ok. Donc ça, c'est cool. Donc je vais aller me laver, je vais aller boire, parce que je vais mourir, en fait. Parce que je suis encore un mec qui meurt de soif. Putain. Complètement oublié. C'est bon, ça va mieux. Donc, prochain dodo, nous allons passer au printemps. C'est succulent, hein, t'as vu? Cette petite, cette eau claire, pure, et je me lave. Hein. Prendre un bain. Alors, lui, il prend un bain, mais que des avant-bras. Ah, j'étais un peu sale, quand même. Yes, je suis frais. Et pimpant. Elle est où? Comment va mon enfant? Ah, mon enfant est là, mais il n'est pas là. Ulrika, tu fais du R... Qu'est-ce que tu fais? T'as mis l'enfant dans le garde-manger ou pas? Qu'est-ce que t'as foutu? Du R baby, mais oui. Oui, mon petit bébé, il va bien. Ouais, je sais pas si j'ai bien fait d'épouser celle-là. Hein. Mon épouse, voilà. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Hein. Alors, nous avons construit ça. Il faut que j'aille voir Alvin. C'est les fans psychopathes des téléfilms de TF1. C'est un peu ça. Alors, on sauvegarde. Hop. Et on va tricher avec le fameux mode se débloquer. Hop là, boum. On va parler à Alvin. À 25h. Elle est marrante ta montre du jeu. Putain, c'est déprimant toute cette neige là. Prends
ton souffle, mon gars. Reprends ton souffle. Ils ont pas récolté leur truc là. Hein. Quoi, c'est du blé ça hein. Faudrait que je crafte un. Bonjour, c'est ici l'assistance restauration de fichiers perdus. Bonsoir. Un faux fichier perdu, bonsoir. C'est la hotline. Quel est votre problème? Salut Yume. Alvin, il est où ce con? Alvin? Casimir? Non. Alvin? Ah mais il est là-bas ce débile. Qu'est-ce qu'il fout dehors là? Ah mais il travaillait peut-être. Ah ça c'est normal. J'avais demandé à Alvin s'il avait son attestation parce que... Alvin, reviens ici. Alvin, comment ça se passe-t-il avec vos entraînements? Pari que je peux vous battre maintenant. Oh, quelle confiance, très bien, je prends le pari, combien? Pour 100 pièces, nous avons 3 coups. Celui qui obtient le plus de points gagne. Bien sûr, commençons. Fin du dialogue, j'ai 64 points, maintenant c'est votre tour. Ah. Ici la clé de Nico. Ah putain. Oh, le mec, il a failli faire un AVC de mort de rire sur ma gueule, quoi. J'hallucine, quoi. Je suis un peu choqué. Alors là, c'est très important parce qu'il s'agit d'une compétition dans ce jeu, donc il va falloir que j'utilise mon arc pour faire plus que 64 points que Alvin a fait au tir à l'arc, et moi je dois faire en 3 flèches, voilà, sur cette cible-là. Je dois faire voilà, plus que lui. Je sauvegarde parce que je sens que ça va être compliqué. Voilà. Donc je décide de compter voilà, des pas. 3, 20, 200, voilà. Et maintenant on va bander l'arc, très fort. Et on va tirer. J'ai le droit à 3 flèches. Hein. 17 points! Oh mais mec, j'ai jamais réussi! Attends, je récupère ma flèche. Hein. Ah ouais, mais le mec, il a fait ça de tellement loin! Ah, je pensais que j'étais loin. T'as mettre PS5 pour bander? Non. Moi, je bande sans rien. Sans. Oh, mais c'est tellement loin! Ah mais je pense qu'il va falloir que je crafte un arc long en fait. Oh je t'ai niqué Alvin! Je lui ai mis 115 points dans la gueule, hein. Je suis désolé, hein, mais ça c'est... Wow. What a player. La même sur un animal qui bouge. Non. Attends, elle était quasi dans le mille, attends. Je savais qu'elle était là, celle-là. F5. Putain, Juju, il a le syndrome de F5. Après, les animaux ils bougent pas trop dans le jeu, donc ça serait envisageable en vrai. Après, je sais pas si la distance de pop-in du jeu fait qu'on puisse voir un animal à cette distance. Attends, il est encore au champ ce con? Knock out! C'est lui Alvin? Non. Il est où Alvin? Alvin? Mais. Il est. Mais Alvin il a déménagé ou quoi? Alvin, t'habites plus avec ta femme? Qu'est-ce qui se passe? Salut! Oui, et qui est le maître? Oh le mec. Ne soyez pas arrogant, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Bah, pas faux. 200 pièces d'or. Vous verrez, je vais m'entraîner davantage et enfin j'effacerai ce sourire de votre visage. Ça me convient, nous ferons nos preuves lors de la prochaine occasion. 22 ans, merde, il a l'air plus vieux que toi que moi. Ah ouais, bah... Ah, c'est le Moyen-Âge, hein. on faisait plus. Hein. C'est un des trucs qui fait que le Moyen-Âge, c'était pas ouf, hein. Si je bouffais un truc, tiens. Du potage, j'ai de la viande salée. J'ai du poisson grillé aussi, ça va être très bon, le poisson grillé. Oh.
Le poisson grillé, je peux le vendre 5. Le potage, je peux le vendre 40. Putain, le potage, en vrai, je pourrais m'en... Attends, ça, je pourrais me faire des couilles en or avec du potage. Une couille dans le potage. Ah bah, le pauvre, il est plus près de la fin que... Il est près de la fin. Ah ouais, là, non, il est... Bah, 22 ans au Moyen-Âge, effectivement, il te reste quoi? 7 ans à vivre, grand max, hein. 7, 8 ans. 8 ans, allez, on va dire 30 ans. 30 ans, c'est bon, t'es mort, quoi. Si tu meurs pas avant d'un corona... virus saisonnier, voilà, ou d'un rhume des foins, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Moi, je vais manger du poisson grillé, par contre. Hein. Et je vais me faire un petit potage aussi. Enfin... D'une infection dentaire aussi, ouais. Plus probablement encore ça. 1050, j'ai 1000 balles, hein. Ah, mais t'es aussi riche, hein. J'ai quoi dans mes maisons aussi, des fois que je regarde. Enfin, j'ai beaucoup trop de maisons maintenant. Enfin, mes maisons sont en PS. Stockage de nourriture, tout ça c'est inoccupé, il faut que j'occupe les gens. Maison. J'ai deux personnes à chaque fois dedans. Il faudrait que je vois si je peux... Ah non, je peux mettre personne ici. Non, c'est là, j'ai pu mettre 4 personnes. Ah non, mais ça c'est ma maison ça. J'ai jamais pu mettre 3 personnes dans une maison. Compliqué, compliqué. On se casse. En vrai, je peux simp de 3 gens, mais Cinémovite. Simovite. 27 ans. Putain, il est vieux. Moi, toi, je vais pas te prendre toi parce que toi, t'as plus que 3 ans à vivre, mec. Il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? Oui. Voilà. Donc lui, il viendra la prochaine fois que je lui parle. Il faut que je construise une maison. Miro Nieva. Miro Nieva. Ah bah, elle aussi, j'ai déjà simp. Donc voilà. Vous êtes ensemble désormais. Je vous proclame mari et femme dans la maison que je vais construire la prochaine fois. F5. Juju, arrête. Ah, elle est tellement silencieuse cette 3070, c'est un bonheur. C'est un bonheur, hein. Vraiment. Ah, c'est du beau matos, hein. Concrètement, ça sert à quelque chose que je F5 le soir? Concrètement, je pense pas, non. Concrètement, je pense qu'il y a personne qui est en train de faire des stocks sur l'inventaire du site à cette heure-là. Chez les différentes boutiques, ça m'étonnerait. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. Allez. Je pourrais récupérer un peu de roseau, hein. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas assigner des tâches à des PNJ, genre, voilà, toi, ta vie, ça va être de ramasser les roseaux pendant 3 jours, par exemple. Toi, ça va être de cueillir des champignons pendant X jours. Ça serait quand même cool. Ouais, bah j'ai pas l'impression que ça réserve grand chose là, ils sont encore en manque de bois quoi. J'ai fait 2 stockages et le bois ne rentre pas quoi. C'est l'enfer. Hein. Plic bloc, plic bloc, plic bloc, plic bloc, plic bloc. Je piche pas ce truc du bois, hein, franchement. Plaque,
Allez, tout le monde est parti se coucher. Ah bah, meuf, elle est déjà en train de pioncer, putain. Si j'avais envie de discuter ce soir, ou je sais pas, non, c'est mort. Super, super. Eh bah, super. Bah, on va se coucher. Hein. Payer les taxes, c'est 1300 pièces, putain, c'est trop cher. Ah, et bah... Oh, les impôts, tous les ans, c'est pire, quoi. Incroyable. Bon, on a un enfant ce coup-ci. Et un jour, il va grandir ou il va rester une espèce de petite poupée comme ça. Mon fils, Ludwig. Ludwig, c'est mon fils. Ouf. C'est bien vert, le printemps. On va leur laisser le bénéfice du doute. Ah putain, c'est déjà en PLS ce truc. Réparer. C'est réparé. Il y a un vrai système de saison. Ouais. En gros, en haut, au-dessus de la boussole, là, tu as... Attends, je vais le mettre là. Là. Tu as ce petit truc avec l'arbre, là. Et toutes les 3 cycles de journée, ça avance d'une saison, en fait. Donc au bout de 3 jours, on va passer en été. Au bout de 3 jours, on va passer en automne, et ainsi de suite. Ça va, c'est pas trop mal. C'est peut-être un peu rapide, moi, je dirais. C'est Stardew Valley, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Ouais. C'est complètement... C'est très très proche, ouais. Ah, ça s'est réparé. Voilà, ils ont une... Ils ont des trous dans la chaumière. Arrête d'être épuisé. Bim. Casimir, tu fous pas grand chose non plus, hein. Tant t'as l'air de bonne humeur, hein. Bon, ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Donc elle est en train de planter quoi? Elle est en train de mettre de l'engrais. Toi, Rosalinda, c'est bien, tu bosses bien. Je suis content de toi. Ici, ils n'ont pas encore foutu grand-chose. Oh, il y a les baies qui sont revenus. Ah oui. Yes. Attends, elle est kéblo aussi. Alors. Casse-toi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Des champignons, de la viande. Tu vas encore choper une touristesse avec les baies. Mais non. Ça, ce coup-ci, mon estomac s'est habitué. Hein. Faut que je foute mon équipement d'hiver au coffre, tiens. Choupe est passée devant l'écran, elle a dit, ça a l'air génial. Bah, c'est génial. Achetez-le, hein. Franchement, c'est le meilleur jeu. Non, franchement, c'est bien foutu, moi, je trouve. C'est hyper, hyper chill. Après, en termes de vie, c'est pas encore ça. Beaucoup de choses qu'il faut deviner par soi-même, mais c'est pas plus mal. Je prends que le jour où il y a un multi. Oh, mais ça va être dans longtemps, mec. Dans longtemps. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je voulais me dégager mes fringues. Mes bottes en fourrure. Ouit, ça dégage. Je vais mettre mes chaussures. Et ma capuche en fourrure. Ouit, ça dégage. Ça va au coiffe, tout ça. Fourrure. Hop là. Voilà. Du coup, bon, cette histoire de bois n'est pas résolue. Ça me fait chier. Alors, par contre, dans le garde-manger, on est overpété. Normalement, le garde-manger est full plein. Oh, j'ai 113 baies, j'ai 35 choux, j'ai 245 choux, j'ai 53 oignons, j'ai quasiment 200 poissons, 100 potages, j'ai encore de la viande, presque une centaine, de la viande en sauce, des graines. Par contre, il y a des trucs qui sont en train de périmer là, hein. Il va falloir que je check ça. Donc, je pourrais genre faire full potage là, et aller vendre ça pour 40 balles, et je me ferai des couillasses. Oh, je me ferai, mais alors je me mettrai bien.
Bah, en vrai, je peux déjà prendre tout ce potage-là et le vendre. Hein. Ça pèse combien? 35 kilos tout le potage. Bah, tu parles, tu vas tout filer aux impôts. Bah, oui, je sais. Voilà, c'est méga lourd par contre. Du coup, les baies pas mûres, je les floue là. Les mille pertuis, on s'en fout. Les morilles, je les fous là. En fait, le mode multi de Subnautica fonctionne sur toutes les versions. Il y a un multi dans Subnautica maintenant? Putain, j'ai même pas fait gaffe. C'est vrai? Stylé. Tu fous rien, Casimir, putain, mais... Va bosser, connard. Ah, c'est un mode officieux. Très bien. Ah oui, le mode. Oui, je suis con. Pff, mode. C'est un mode MOD, pas MODE. J'ai compris la nuance. Attends, on pourra, ça dégage. Je suis encore trop lourd. 67, putain. Genre full lourd encore, hein. Putain. Ah, la réserve elle est passée à 1500 maintenant? What? Pourquoi? Ça prend les liens ce live, tout à fait, Yume, ça prend les liens. Ça prend complètement les liens. J'ai encore des planches là, vas-y dégage. La pourriture, faut que je la convertisse aussi. 60, putain, j'ai presque... J'ai de la viande salée, j'ai du poisson, je vais foutre ça au coffre là-bas. Nitroxrux.gg. Oh, ce lien. Enfin, j'irai voir ça. Je DL instant. Poisson. On fout là. Des oignons, mettre deux oignons, ça dégage. Le plantain, le millepertuis, la viande salée. Voilà, donc là je peux aller me TP là-bas. Ouit. Ça a l'air bien foutu, ils ont mis un chatting game et tout. C'est bien ça. Ça doit être pas mal. Après c'est vrai que le multi dans ces jeux là ça nique quand même un peu le... Enfin, ça dépend des jeux, mais celui-là encore ça irait, mais The Forest par exemple, le multi ça fout quand même un peu en l'air l'idée de base du jeu quoi. C'est un autre jeu en fait pour moi le multi dans ces jeux là quoi. Vous avez planté quoi là? Qu'est-ce que c'est? Payer les taxes, putain. J'ai tellement payé, quoi. Ah oui, du coup, faut que j'achète des poules. Comment on fait pour acheter des poules? Il y a des poulaillers ici, au moins? Ah oui, il y a des... C'est pas un poulailler, ça. C'est pas un poulailler, ça. Alors le truc c'est qu'à lui il faut que je paye les taxes, mais... Hein? Eh, vous semblez toujours occupé ces jours-ci, mais occupé veut bien dire... Hein? Mais occupé veut dire bien. D'accord. J'aimerais que tout le monde construise sa richesse comme toi ici. Pas de souci. Le seigneur me presse de percevoir les taxes en début d'année, et je doute que tout le monde ait assez de pièces ou de biens pour apporter sa part, je ne leur reproche pas de se fâcher contre moi. Mais en fin de compte, on ne fait que suivre les ordres, ça va être difficile d'être castor. Blablabla... Sinon, en arrivant à temps, je peux renoncer au vôtre cette année? Quoi? Vous pouvez parier, mais bon, je peux faire avancer certains chiffres si on fait ça à temps. Vous voulez m'aider à collecter les taxes? Si nous y arrivons, je peux renoncer au vôtre. Ah ouais, d'accord. Le plus grand défi est de faire payer sans bord. Il pense toujours qu'il est intouchable, hors la loi dans son pavillon de chasse. Mais vous savez quoi? Gardons-le en dehors de tout ça, je ne veux pas mettre un qui est doué à l'arc long. Alors, Cagnard, Ornica... Ah oui, il va falloir que je me balade dans toutes les villes pour... Donc ça veut dire que si je fais cette quête-là, il va me dispenser de...
Alors après tout, c'est lui qui dirige. Les Unigos doit collecter les taxes pour le roi, il m'envoie les collecter auprès des miens. Ok. Carolina, Irmina. Bon, on va faire ça. Par contre, je vais déjà te vendre mes potages. Mec, est-ce que tu es prêt à acheter 72 potages et me faire 600 balles? 630 ballos. Bim. Et je pourrais m'acheter une faux. Ouais, je pourrais la craft en vrai. Du fil de lin aussi. Ouais. Gourde. Ah oui, une gourde, c'est bien ça aussi. 4 sur 4, c'est bien. Moi, je vais pas l'acheter, je vais la crafter. Alors, faut qu'on aille dans les différents villages qui sont Ornica ici. Pour ça, on va lancer le cheat engine. On va sauvegarder parce qu'on sait jamais, on peut se faire aggro par un ours. Si on voit 2-3 lapins en chemin, on les fume, hein. On les fume. C'est clair. Arrête de t'essouffler, arrête. Arrête. Ah. C'est de la roche. Prendre de quoi me faire. Pfff, une petite biche là-bas. Une petite biche. Eh bébé biche. Ah mais les biches avec les flèches en pierre, c'est pas le one shot hein. Même dans la tête, c'est. Oh merde, elle a rebondi ma flèche! Dans le cul! Elle a rebondi là-bas ma flèche! Oh Bambi, désolé. Désolé Bambi, hein. Quatre viandes, trois cuirs. Une petite flèche en pierre qui rebondit ici. Tellement easy à mettre en place. Cool. Du coup, c'est hébergé comment, quoi? Genre, c'est en pierre tout pierre, j'imagine, quoi. Ils ont pas fait des serveurs pour ça. À leurs frais, quoi, les mecs, ça serait bizarre. Oh, des baies. Quelqu'un héberge avec une baie, ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu oses direct, ouais, bah, c'est les pierres tout pierre, quoi. Ramasse. Mais ramasse la baie. J'ai besoin de ces baies. J'ai besoin de ces baies. Ces baies sont à moi. Par contre, faut repartir avec une safe prop. Ah ouais, ok. Ouais. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Je m'en loupe, j'aurais pas utilisé ma save, hein, jamais. C'est clair que non. Que des mecs viennent faire les gogoles dans mon. Dans ma super base. Bon, on y est là, dans cette ville de merde. Ornica, c'est où? Petit lapino! Lapin. T'as un trop de végétation dans le jeu, pour rien. Je te vois, petit con. Arrête de bouger. Smith.
cul en l'air. Pauvre lapin. Tête plantée dans le sol. Oh mon dieu. Ouais, on pourrait tester ça en vrai. Ouais. Et du coup, ça marche si t'as le jeu sur Steam ou pas sur Steam, quoi. À la limite, je préfère l'installer sur Epic et partir. On est tous la même version. Hein. Lapin. Split. Quel bonheur de chasser. Je déteste la chasse. Hein. Les traces détectent le chemin de ton jeu. D'accord. Bon, de toute façon, j'ai plus mes enfin, j'ai pas installé Subnautica Vanilla, j'ai que le Below Zero sur Steam. Mais Mais de toute façon, tu peux l'installer sur Epic. Alors, donc ici, il faut qu'on parle à Carolina. Carta. Léopolda. 15 mètres, 17 mètres. Putain, mais. Putain, de PNJ, on voit pas. Ah, c'est elle. Non, c'est pas elle du tout. Malvina. Non, c'est pas toi. Wesh, elle est où l'autre? 5 mètres. Ah, elle est là. Toc toc, c'est les impôts. Carolina. Je suis Rassimir. Salut. Le neveu de Lord Dan est maintenant le bras droit inofficiel du Castellan. Eh bien, votre oncle n'aurait probablement pas approuvé ce que vous faites ici. Ah oh bah d'accord. Pourquoi lui et Onigas étaient amis? Si vous le dites. Ok, donc en ce cas, pourquoi vous avez dit cela? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Oh, il y a du lore? Il y a des complots dans le jeu? Mais c'est tombé, j'en ai probablement déjà trop dit. Alors, que voulez-vous? Eh bien, j'ai été envoyé pour collecter les taxes. Oh putain, c'est ce que je pensais chaque année plus tôt. Chaque année plus. Unigo, ça a dû se faire fortune. Non, ce n'est pas comme ça. Oh, ce jeu qui t'explique comment bien payer tes impôts, quoi. Au secours. Importe, je voudrais bien les pièces, mais depuis que j'ai épousé Léonard, ma richesse, ça m'est servi à rien. Mais je suppose que vous connaissez Dagobert et Denica. Oh là, ça va être la quête où il va falloir faire l'aller-retour pour chaque truc à la con. Je suis sponsorisé par le gouvernement. Tunique ordinaire. Il m'a commandé deux tuniques et deux maillets en fer à Yann. Voici les tuniques. Comme je n'accepte pas de livraison partielle, il faut aussi que vous preniez les maillets, livrez les marchands et gardez le paiement. Ah oui, d'accord. Taxe de Carolina. Ah oh, putain. Ah ouais, d'accord, c'est la quête imbriquée dans la quête. Au secours. Là, faut que j'aille où? À l'autre village qui est... tout là-bas, Denica. Oh là là. Pouah. En vrai, je vais me foutre ici. Hop. Ah, du coup, je me suis TP plus près. Et après, c'est à l'ouest. Ça, c'est de la bonne quête FedEx, comme on aime. Quel enfer, cet axe. Quel enfer. Ah mais par contre, mon... Ils demandent plus de bois dans ma baraque, dans mon village. J'ai l'impression qu'ils sont... Ah si, ils redemandent du bois. Ah et donc... En fait, c'est juste que j'ai... une conso de bois qui est beaucoup trop élevée pour le nombre de bûcherons que j'ai, je pense. C'est beau, ce petit jeu, c'est beau. Je pense qu'il faut que je construise encore des bûcherons. Je recrute encore des bûcherons, quoi. Oui, bon bah. Ils bouffent du bois en réalité. Je sais pas ce qu'ils foutent avec le bois, c'est un village de castor. Franchement, je sais pas ce qu'ils branlent avec le bois, mais les mecs ont des besoins en bois. Genre.
Je sais pas ce qu'ils en foutent, hein. Bon, je vais laisser Aviso parce que ça va être 3 flèches, ça va me saouler. Oh, y'a un renard. Y'a un renard. Putain de machin de nid à maladie. Pourquoi manger des poissons quand tu peux bouffer du bois? C'est pas faux, hein. C'est des fibres, hein. En plein dans la mâchoire. Vegan avant-gardiste. Voilà, ça. Nico, quand il geste, il penche la tête. Ah, mais je dois faire tous les gestes que tu fais quand tu joues. Genre, je dois même fermer un œil pour bien mieux viser, je suis sûr. Bon, je strafe. Sur Céleste, je devais être... Ah ouais, non, mais sur Céleste, c'était pas... T'as dû passer, il faut que ça monte plus haut. C'est pas de la VR, mais c'est tout comme, hein. C'était le meilleur live que t'aies jamais fait. Champignon. Trop de choses dans ce jeu. Nice horror game. Chez le sanglier. Je suis la princesse Mononoke, je t'ai tué. C'est Sandra Johnson, MF5. Ah ouais, la fameuse. Ah putain. Ah, le connard, il était derrière le talus, je l'avais pas vu, il m'a pris en embuscade quoi. C'est fou, un sanglier, hein. On pense pas. Hein. Et il parcourra 200 lieues, 3000 lieues pour collecter la taxe de Dame Carolina. Alors, faut qu'on trouve l'autre con. On lui refourgue son butin. Ça doit être un des cums ici. L'automir, non, c'est pas l'automir, ça doit être Jean-Michel Dagobert. Yeah. Non, c'est pas Dagobert. Le roi Dagobert. Si, c'est lui. Livré à Dagobert de Maillet. Et vous avez une minute? Bah attends. Faut que je les fasse moi-même les trucs. Maillet en bois. Tunique ordinaire. Il fait trop peur ce jeu. Merci pour le clip rap. Ah oui, il faut que je les vende en fait. Du coup, 88 x 2. Faut bien que tu aies des clips toi aussi. Attends, c'est clair que moi c'est la misère. Moi je suis le clipless comme on dit. Cet homme est clipless. De toute façon, les mecs qui formatent leurs clés USB, ils méritent pas des clips, hein, je crois. C'est comme ça. C'est triste, mais. C'est comme ça. La maille en bois. Voilà. T'avais désactivé les clips pendant un moment, en vrai? Ah bon? J'ai rien fait, moi. Quoi? Mais ça rien fait. Apporter deux tuniques ordinaires, deux maillets en fer. Attends, gros? Elle est buggée, ta quête. Ah, ça coûte 500!
Je lui ai vendu pour 88, il me les revend 500, ce bâtard. Oh, je me suis fait BZ. Oh, je me suis fait BZ. Bah non, mais vu que la quête est buggée... Tax the cal... livré à Dagobert, 2 maillets... Ah non, mais j'en ai... Oi, 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 oi. Je me suis fait BZ. C'est quoi cette quête de mort, là? Qui est toute niquée? Le truc, c'est que j'ai pas de sauvegarde, quoi, avant. Donc faut que je m'en retape tout le truc, quoi. Et c'était des maillets en fer, pas des maillets en machin. Parce que ma save d'avant, elle est doux. 21h35. Ah non, mais c'était il y a 2000 ans. Oh, Nick. Je vais pas acheter pour 1000 balles de... Bon, moi je vais acheter pour 1000 balles, tant pis. Voilà, donc là j'ai deux tuniques. Ah non, faut que j'aille le voir quand j'ai tout en fait, je pense. Ça va, sinon ça trigger pas le truc. Oh, comment j'ai perdu 1000 balles pour rien. Putain, mais on peut pas buter les PNJ. Ah bah, pour la peine, gros, je vais te vendre des bâtons pourris. Voilà, tiens, prends ça. Je suis blasé là. Je suis blasé. Je vais vendre des bêtes à mur, tiens, pour 140 balles. Je me suis un peu refait. J'ai perdu 800 balles dans l'histoire. Et je suis venu ici pour rien en fait. Parce que du coup, les maillets en fer, il faut que j'en fasse. Oh là là, c'est la loose, c'est la loose. Oh le bad move du player français. Pour la peine, je vais tuer un renard. Voilà. Chez. J'ai plus de flèches, putain, mais pique ta mère le jeu. Tiens. Ah, tu rigoles moins. Putain, moi il est saoulé, moi il est saoulé, moi il est vraiment saoulé. Le renard plus résistant que l'ours. Ah, j'avoue, l'ours. Mais c'est fou le renard ici. Je te reconnais plus, Nico. Ah, mais ils m'ont saoulé là, elle m'a saoulé la quête. Ça m'a niqué ma quête, quoi. Parce que j'avais pas vu qu'il fallait un putain de maillet en fer. J'étais riche, j'ai tout perdu. Surtout, j'ai cavalé pendant 3 heures pour rien. C'est super. Et pendant ce temps-là, voilà, qui s'occupe de ma ferme? Personne. Hein. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. Culé. Pêche en pierre. Connected. Eh ouais. J'ai plus rien à faire, là. Je te jure, j'ai envie de fumer toute la faune. Ah, oh, je suis deg. Bah du coup, j'ai rien à foutre ici parce que je peux rien faire. Du coup, je vais me re-TP, hein. Ah, tant pis. Hop. Enfin, parce que là, ça va être le soir et j'ai rien branlé. Voilà. Parce que du coup, est-ce qu'il faut quand même que je paye mes taxes ou pas, genre? Je dois payer mes taxes ou je risque d'avoir des problèmes? Moi j'ai peur maintenant, parce que je sais pas si je dois payer mes taxes. Est-ce que ça va niquer les autres quêtes ou pas? Attends, on va faire le test. Oh, vas-y, arrête de souffler, tu me saoules.
Je vais cueillir moult baies, je vais les revendre. Faire une save, tester le truc. Parce qu'en même temps, ça sert à rien que je rush les autres quêtes si je vais mettre 2 ans et que si j'ai les pénalités sur mes taxes, bah je vais en prison après. Si je vais en prison, bah voilà, qu'est-ce qui va. Que va-t-il advenir de ma femme et de mon. Et mon enfant, voilà. C'est trop compliqué. Des baies. Ah si, y a pas beaucoup de baies ici. Y a des baies dans le coin là ou pas? Là ici non. Mec, il peut pas courir 3 mètres sans être essoufflé. Hein. C'est un clopeur, lui. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Ah oh, mais t'as eu raison, voilà. Je suis, voilà. J'ai l'impression que, voilà, le monde m'en veut, quoi. Allez, j'ai combien de baies? On est 150, ça va me faire que 150 balles. Ah, c'est pas assez. Après, si je vends le potage qui reste, ça devrait aller. Allez. Après, j'espère qu'il va partir se coucher l'autre con encore. Vu qu'il fait nuit. Oh. Ah, putain, je suis affalé là. Ah. Bonne nuit. Eh, bonne nuit, hein. Surtout bonne nuit, hein. Alors. Elle est où la bourse ambulante? Ah, t'es un vendeur toi aussi. Ok. Ah, tu vends des œufs, de la nourriture pour animaux. Ça, faudrait que j'en fasse. Faudrait que j'achète des poules. Potage. Hein? Ah non, c'est pas 40 balles en fait. Je suis con. Mais pourquoi je suis con? C'est 7 balles. Mais ça pue. 36 balles? Oh mais ça pue! Je sais pas lire! Lire! Oh dieu! Je sais pas lire! 1306, c'est bon, j'ai de quoi payer mes taxes. Alors on va sauvegarder, ouais, allez, sauvegardons. On va payer les taxes à ce connard là. Oui, tenez, ça vient de courir. Splendide, fin du dialogue, ciao! Coucou Lasto! Comment ça va Lasto? Du coup, qu'est-ce que ça m'a trigger? Taxe de Carolina, c'est toujours actif. Et c'est toujours actif, tout est toujours actif. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Genre, je sais pas, il m'avait promis, genre, oui, bah, écoute, peut-être. Oh, ça roule, mec! Ça roule. Ça roule, mais je suis pauvre maintenant. Et ça, c'est chiant. Je peux parler à Advin encore. Je crois qu'il veut encore faire du... C'est 200 pièces, Advin. 17. Il habite là, Advin. Par contre, il fait noir. Advin. J'ai cessé un ours et... Donc t'as la santé, le reste est secondaire. Ça va tes dents? Je crois que ça bouge. Ça me gratte là-dedans.
Cela m'a pris 9 heures. Non seulement ils sont difficiles à tuer. Quoi, les ours? Non mais gros, c'est... Tu m'aurais vu un ours? Alors, bien, vous avez 8 heures, tuer un ours dans ce laps de temps, et j'admettrai que vous êtes un meilleur chasseur qui... le meilleur chasseur qui soit. Oh le mec. Oh le mec. Il veut... Le mec, il veut me bait là-dessus, quoi. Marché conclu, donnez 200 pièces. Hein? J'ai pas de thune, mec. J'ai pas de thune à te donner en plus, j'ai 6 balles. Donc le mec, il veut que je chasse un ours pour 200 balles. Donc en fait, il faut que je file 200 balles. Si je réussis la quête, il me file son arc, qui doit coûter 200 balles, donc en fait, c'est de la merde. Mais c'est des escrocs, ces paysans, hein. Pas de bois, pas de bois, pas de bois, pas de bois. Qu'est-ce que vous foutez avec le bois, sans déconner, c'est pas possible. J'ai plus rien à bouffer, moi. Je buve. Je vais retourner chez WAM à dormir. Bientôt le DLC. Laserface. Je prends. Mais. C'est pas Kélo comme un con. Bah, par contre, ici, à chaque fois, ça rame dans ce coin-là du jeu. C'est bizarre. Ça rame plus avec la... Ça lag du Yonf. Ouais, ça lag un peu quand t'es... Surtout quand c'est la nuit, en fait. Quand t'es proche de beaucoup d'arbres, ça y a... Et à côté de la flotte, peut-être qu'il y a un truc qui fait que... Ah oui, c'est mal codé. Oui, ça, y a pas de soucis. Enfin, c'est codé en progress, comme on dit. Mais je pense que ça va être les réflexions pourries sur l'eau qui doivent tanker le... Tanker le système. Bonsoir. Putain, c'est quoi ces 10 mots de Flo? C'est le patoche. C'est que de l'amour. Eh oui, c'est que de l'amour. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est génial, c'est super. Le plus grand cabouret. Le plus grand cabouret, ça a l'air bien. On va tous s'enfiler. Sur la scène. Faut pas essayer de cabouret. Tu vois, ta tête est déjà originale. Ta tête est déjà originale. Je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Je prends des mille pertuis. Faudrait construire des asiles de cons, mais. Fuck, il y a un sanglier. Vous imaginez un peu la taille des bâtiments. C'est pas intérêt à m'aggro ce con. Il m'a aggro ce con. Putain! Attention, trickshot! J'enfile, mais ça va te terminer, bonsoir. Il y avait un sanglier. Mais un sanglier. Je ne vois pas des choses. Attends, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Écoute. Bon, je sais plus où il est. Il y avait un sanglier. Je l'ai pas arrivé. Je te laissais. Ah ouais, d'accord, laissez dans ça dire. Très bien. Alors, on va chercher le sanglier toute la nuit. J'en bats les couilles. Là. C'est pas un sanglier, ça, putain de bordel de merde, qui m'a focus maintenant, du coup. C'est vous avez de la merde dans les yeux, mais c'est un truc de ouf. Oh. Taisez-vous, je cherche le sanglier avec lui.
Ça là. Avec ses deux flèches. Une dans chaque temple. Je reprends, c'est à moi. Ah oui, il était là. Personne ne me croive. C'est bien la peine que je stream en 900p pour que vous voyez que dalle. Hein. Putain, je te jure. Je m'en bois les couilles, je stream en 160p maintenant. Rien à foutre. Putain, et ma torche vient de se casser. Alors que les streams PS8 en 32K. Ah bah putain, je pense qu'il n'y aura jamais de PS8, hein, vu comment ils sont pas foutus de faire une PS5 qui bug pas du cul. La PS8, faudrait mieux qu'ils tentent pas. Hein. Oula. Les critiques fusent. En plus, c'est quoi encore cette histoire de ventilo différent? Ah ouais, ça j'ai pas habité, mais apparemment il y a des... Suivant les modèles, bon, ça peut arriver, mais les ventilos ont la même gueule, mais sont pas du même fabricant. Et du coup, bah, il y en a un qui fait un peu plus de bruit que l'autre, quoi. Donc, un peu con. Alors, moi j'ai eu de la chatte, genre, pour une fois de la turbo-chatte, mais j'ai le ventilo qui fait pas de bruit. Enfin, qui fait le bruit le moins puissant, quoi. Tu dis ça à chaque fois en plus, Flo. Ah oui, c'est complètement au pif, hein. Il n'y a pas de... Je vais tomber sur le merdique. Ah non, mais c'est l'angoisse, hein, parce que... Mais après, ça devait déjà être le cas sur les PS4. C'est forcément le cas sur les PS4, parce qu'il y a des PS4 qui font du boucan. Pour rien. Qu'on décolle, ouais, une certaine, non pas. Enfin bon, bref. Idem du coup. Miro, si tu veux. Ah, ça faisait, je crois, le modèle bruyant faisait 4 dB de plus. 3-4 dB de plus, mais 3-4 dB, c'est quand même un peu chiant, quoi. Bon, après, c'est pas... Après, c'était des mesures faites vraiment au... à l'entrée de la... Enfin, le plus proche du ventilo, donc... Forcément, le bruit là est très fort, mais c'est pas un bruit que t'entends de ouf quand t'es loin, mais... Mais bon, ça fait... C'est pas ça qui me fait le plus chier, hein. Moi c'est plus... J'ai maté un site là qui désosse les... tout ce qui est carte graphique, console, machin, et ils ont trouvé que, justement, les nuisances sonores de la PS5 étaient très très bonnes. Mais par contre, que tout ce qui était refroidissement du côté de la mémoire était à chier, mais d'une puissance assez incroyable. Sur le bon moment, avant PS5500, modèle en ventilo en embrouillant. J'avoue, là, non, ça serait drôle. Mais oui, c'est obligé, ils ont plusieurs fournisseurs pour des coûts différents, enfin, c'est complètement ça, quoi. Demain, on monte une SAS et je vous commande la vie, Coyette. T'as ouvert la console pour voir le modèle du... Ah non, j'ai pas ouvert la console, oh, je m'en branle, moi. Franchement, je m'en branle. Ouais, c'est Gamer Nexus, hein. Elle est bien en chaîne, hein. Franchement, c'est propre ce qu'ils font. Hein. Comment tu sais alors pour le modèle? Bah, j'ai entendu au bruit que la mienne faisait pas le bruit qu'elle faisait sur les enregistrements du numérique, des... Ouais, c'était les numériques. Après, ça se trouve, j'ai la version qui fait du bruit, auquel cas, c'est si c'est celle qui fait du bruit, alors ça fait pas de bruit, hein, mais... C'est vraiment très léger, quoi. Demander à un homme de 40 ans si ça fait du bruit ou pas. Oui, c'est complètement appréciation personnelle. Après, je suis très chiant là-dessus. Hein. En tout cas, j'ai pas reconnu dans la signature sonore du ventilo qui faisait du bruit. Je me suis pas reconnu là-dedans. Donc c'est une info qu'il faut prendre avec des pincettes. Quel mélomane. moi, franchement, je l'entends pas du tout. Je regarderai à la limite quand je... Quand je mettrai un SSD en extension.
Mais bon, si c'est que ça, c'est vraiment pas ça qui me fait le plus chier. Moi, c'est plus les systèmes, les soucis de stabilité du système. Ça, par contre, c'est... Les jeux qui frisent, les retours dash, c'est affreux, quoi. Ça arrive quand même... au moins une fois par session de jeu, quoi. Ça pourra pas être pire que ma... Ah non, mais... Comparé à ma PS4 Pro, qui faisait déjà pas beaucoup de bruit, là, c'est inaudible, quoi. T'as pas eu un seul freeze? Ouais, moi j'ai eu un freeze avec... surtout sur Demon's Souls. Hein. Demon's Souls, parfois ça part en couille. Parfois ça freeze, j'ai l'impression que c'est un chargement qui se fait pas entièrement, enfin c'est très chelou quoi. Ah oui, t'as pas lancé Demon's Souls, ah bah ouais, mais moi j'avais aucun souci, j'ai aucun souci sur aucun jeu, il y a que Demon's Souls où ça pète... Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas! Où ça pète les couilles par moment. Je dis, depuis que j'y joue, j'ai dû avoir, ouais, deux retours en dash, quoi. Ah bah je compte jouer qu'au jeu PS4 sur PS5, donc je suis safe. Ah bah c'est full safe, hein. Par contre, sur Monster Hunter, il y a des problèmes réseau avec les joueurs PS4, hein, donc ça... Ça non plus, ils ont pas encore taffé. Je pense qu'il y a des petits bugs entre les systèmes, quoi. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire. Du coup, j'ai galéré un peu à rejoindre des quêtes et tout. Monster Hunter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu fort sympathique, ma foi. Splim. Mais pourquoi il y a tout ça dans cette réserve? Mais what? Pourquoi il y a tout ça dans cette réserve? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'ai rien mis dans cette réserve, moi. Ah, mais c'est ma réserve partagée. Mais oui, d'accord. Toutes les réserves sont partagées. Ok, d'accord. Cool. Du coup, si j'ai bien compris, vous tous parmi vous, vous allez vous la prendre, la console. Arrête la prod bio, tu mélanges les mots. Moi je l'ai déjà la console, mais oui, Yume là aussi. Les prods qui rongent le cerveau. Pierre, Black. Bon bah on va faire de la cuisine alors. Parce qu'il faut que je me refasse de la thune. Je vais voir si elle a pêché la meuf là-bas. Jalouse. Mais le truc sur la mémoire, ça sera pas réglé, je pense, à part sur des nouvelles unités de production. Mais bon, à voir si ça fait vraiment quelque chose. Mais il trouvait que la mémoire chauffait beaucoup sur Gamer Nexus. Alors, combien t'as pêché, toi? 4, 7? Mais tu pêches pas vite, meuf. Agrade-toi l'oreille, mais c'est pas génial. J'attends le jeu qui me fera acheter. Bah, moi franchement, je prends ça plus pour une PS4 Pro 2 qu'une PS5 en vrai. KH4, Diablo 3 par exemple. Mais surtout que tu peux jouer donc au jeu PS4 avec la DualShock 4, et au final je trouve que la DualShock 5 là, elle est pas ouf. Prise en main, elle est bien, par contre je trouve que les sticks sont beaucoup trop hauts, du coup tu perds en précision, ou alors c'est un temps d'adaptation. Mais par contre, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas une petite mage système pour qu'on puisse jouer même au jeu PS5 avec la DualShock 4, quoi. Parce que franchement, il suffit de désactiver tout ce qui est lié aux manettes. Enfin, il n'y a rien qui empêche ça, quoi. Genre, la notion PS number n'a plus de sens, c'est qu'une évolution. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Moi, c'est vraiment juste une PlayStation Plus, enfin, une Pro 2, une Pro... Enfin bref, la mage 2020 de la PlayStation, quoi. Le plaisir, c'est d'être dans les menus. Ouais, le menu est très très cool, hein. J'y passe des heures. C'est vraiment très très cool. Du coup, je voulais faire des choses. Je suis perturbé. Bientôt, ils sortiront des consoles évolutives. Mais non. Donc, on va prendre full chou. Je vais prendre full viande. Et je suis en train de sortir de la mauvaise porte. Ah.
Et on va cuisiner. Alors, je peux faire du potage, je peux faire... Alors, je vais faire déjà 4 potages comme ça. Je vais sur PC dans le code app aussi. Hein. Oui, mais bon, c'est chiant. Enfin, c'est pas fait pour. L'interface est pas fait pour. Arrêtez cette geekière de merde. On s'en bat les couilles. Mais non, c'est pas réglé parce qu'il te faut toujours une souris, il te faut un machin. Enfin, faut toujours dézipper un truc à la con, régler un paramètre. Là, tu te fais pas chier. Tu te fais pas chier. Jouez comme vous êtes. Déjà. Mais non, clavier souris sans fil, mais ça n'a aucun sens. Arrêtez. Ça ressemble à rien, là. On n'est pas... Tu nous emmerdes avec tes questions, Lou. Alors attention, c'est parti pour 31 potages. Hein. Ça prend 5 secondes. Hein. Donc voilà, c'est pour 2 heures de stream potage. Autant de défoncer ton plafond. Nous, on part en débat à con après. Ah ouais, non, on est trigger d'ouf. Hein. Je vous bouscule. Ton pied, là, les dans mon cœur. Non, mais en vrai, sur ces consoles-là, le matos a l'air très très cool. Par contre, tout ce qui est système, c'est full buggé encore. Que ce soit chez l'un comme chez l'autre. Il y a trop de bugs chelous, quoi, pour l'instant, je trouve. Il manque trop d'options, enfin bref, tout ça, ça va être mis à jour, mais je... C'est quand même ouf qu'il n'y ait pas des fonctionnalités comme ça, alors que... Ah mais ils ont rush l'OS, alors que, laisse tomber, c'est un OS de PS4 skinné, enfin genre, il n'y avait rien à faire de plus, quoi, genre, arrêtez. C'est quand même bizarre, quoi. Qu'il manque plein de fonctions, qu'il y a de base, tu peux pas mettre de thème, bon après, ça va plus avec la philosophie de l'OS, mais bon, ok. Il y a plein de trucs, il y a plein de raccourcis que tu peux plus utiliser, enfin... Chou, tu peux pas faire des dossiers quoi, genre le truc qui avait pas Day One sur PS4, ça a mis genre quoi 6 mois, 1 an à arriver, là ils l'ont même pas mis Day One, genre des dossiers. genre c'était le truc le plus dur à coder quoi. Je suis désolé de vous faire mal dans votre âme, mais non, t'es jaloux en fait Flo. C'est pour ça, t'essayes de nous faire avoir le seum, mais c'est pas possible. On peut faire des dossiers sur PS4, arrête Youmé. Non, mais moi j'ai un PC, j'ai un câble HDMI qui va de la télé au PC, mais j'en ai rien à foutre d'utiliser mon PC sur mon écran, genre, ça n'a aucun sens. J'ai été touché quand je pleurais, Nick. Je vais F5, vous m'avez saoulé. F5. Moins. Pouah, tout ce qu'on a fait comme bouffe, incroyable. Fais pas tari kikis, oulala, ça sort les dossiers, attention. Attention. Ouais, vous êtes des putains de boulis aussi, voilà. Respectez pas la sensibilité des gens. Il y a des gens qui souffrent. Récollez pas de ça par contre, c'est vraiment parti en couille. Ouais, je suis arrivé en cours de route, ça va l'air d'être un peu mouif, non? Un peu mouif, voilà, c'est un peu mouif, oui. C'est mouif. J'ai montré à ma mère tout à l'heure, j'ai failli repleurer, pardon. Donc, ce champ-là, par contre, ils en ont rien à foutre. Genre celui-là, ils ont planté du chou, cool, et de l'oignon, cool. Ah mais en fait, il faut que je le fasse moi une fois pour qu'il y ait un mec qui se relaie. Il est où mon sac à engrais? J'avais pas compris ça comme ça. Faut leur mâcher le boulot une fois. Putain, j'ai pas de sac à engrais ici. Nick. Il va me remontrer devant tout le monde en pleurant. Sac à engrais. Sérieusement, il est où ce putain de sac à engrais? Peut-être cassé.
Oui, après, il y a des gens qui prennent la mouche, enfin, qui, voilà, ils tankent deux phrases, et puis après, ça les fait plus marrer, hein, ça, c'est compréhensible. Mais c'est vrai que j'avais vu qu'elle avait l'air de rigoler, et puis après, plus du tout, quoi. Bon, ça... c'est escalated quick, comme on dit. Putain, alors comment on fait un sac à engrais? Sac à ordinaire? Non. Clôture? Non, c'est pas dans clôture. Feu de camp? Non. Mobilier? Clôture? Non. Piège? Non. Putain! C'est où le sac à engrais? Outil en bois? Outil osier? Non. Tire à l'arc? Mais putain, c'est où le sac à engrais? Casse-toi, toi. Sac à dos. C'est sac à dos? Mais putain. Ah, sac. Sac ordinaire. Sac à engrais. Tissu en lin. 2. Cuir. Tissu en lin. Bordel. Pause est importante. J'ai pas de tissu en lin. Oh, nique. Ah, voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Ouais, parce que j'ai pas équipé mon truc. D'accord, donc il a dû être pété, et du coup, c'est la merde. C'est la merde. Et ben, pour la peine, on va construire une autre maison. Voilà. Il me faut 6 bûches. Je vais déjà la placer. Voilà. T'as viré le Théo en point? Théo en point. Une bûche. Oh, le timeout à 40 000 balles, ouais. Oui, c'est pas plus mal en fait. Ça sert à rien. Bah, évidemment que c'est une arnaque. C'est pas des bûches là-bas? Non. Oh. Mais tu vas la ramasser des putains de bouche. Putain de bouche. La plus grosse arnaque, c'est le waouh. Ça, c'est de l'arnaque, voilà. Ah bah, des 500 000 points, je sais pas, faudrait pouvoir acheter des bons cadeaux avec les points, en fait. Genre, on peut mettre en place un système de chèque Cadeos, genre, à partir de 100 000 points, 10 euros Cadeos, ça pourrait être sympa. Merci. D'idée. Non mais te fais pas chier avec ces conneries. Je sais pas, il faudrait débloquer une émote chouchou ou un truc un peu stylé, tu vois. Un trigger chouchou. Un truc qui a un peu de gueule, tu vois. Un truc qui, voilà. Alors, cette belle maison, on va la foutre ici, à côté de la réserve. L'OP Viking s'est envolé, les gars. Il me la propose plus. Ah, dommage. Dommage! Ils ont plus de budget pour novembre, les mecs de Viking. A plus le budget, mon gars. A plus le budget. C'est dommage, hein. C'était l'occasion d'une vie.
Full story. Ah oui, c'est vrai. Comment tu sais ça? Salut Marion. Coucou Marion. Un mec devait le faire ce mois-ci et on va rebosser au mois prochain. Ah oui, d'accord. Il dit bonsoir et même pas bonsoir à son mec. Ça va. Oh là là. Il fait des dramas pour rien, son mec, hein. Putain. Ça, c'est les gens de Twitch, hein. Ils prennent la mouche pour rien. Moi. En plus, elle a dit tout le monde, ouais, c'est vrai. Donc, tout le monde, tu es inclus dans tout le monde, hein. Tu es juste un plébien. Ave plébien. Attends. Félicitations, Jason, à pu avoir un trigger sur ma chaîne, attends. Non, non, mais il fait son Calimero, c'est ouf, alors que derrière, il y a des faits, il y a des vrais... il se passe des vraies choses qui ne sont pas relatées, du coup, il essaye de faire les gens s'apitoyer sur lui. Ça, c'est de la manipulation, monsieur Sunlive. C'est très très moche, hein. C'est très très moche. Ça peut m'intéresser. Garde tes sous pour une PS5, rap, s'il te plaît. Avec le ventilateur. Ah, tu fais pas de bruit. On prend pas là. Ça, c'est du mur bien fait. Moins, moins 3. Il faut trop de bois dans le jeu. Tout le temps, il faut du bois. Il fout en rien en réserve, je suis sûr. Incroyable. 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 F5, putain. F5. Je vais te le coller dans le cul, ta touche F5, putain. Cette nuit, Marion, tu prends la touche F5 de son clavier et tu l'enlèves. Tu l'arraches et tu la jettes dans les chiottes. Et le petit machin aussi qui permet d'enfoncer la touche, hein. Pas juste le capuchon. Hein. On fout ça à la poubelle. Cap. Sinon, tu fais un bot qui t'avertit quand les cartes sont restock. Info exclue avant tout le monde, elles seront jamais restock. Hein. Du coup, c'est parti là. Je sais pas ce que font les gens, d'où c'est le... Je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais vu autant de gens se jeter sur les trucs comme ça. C'est quoi ces gens qui se jettent day one sur tout ce qui sort? Je sais même pas où c'est, oh le bâtard. Oh, ça c'est pas gentil. Bah, faut que tu construire des asiles de cons. Vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Après, on va dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent toujours pour les conneries. Hein. Ça, c'est... ça a toujours été. Hein. Ce que je peux comprendre. Hein. T'as quand même plus envie de t'acheter une télé que de t'acheter à bouffer. Hein. Moi, le premier. Hein. Le quinoa ça ruine pas. Oh, c'est pas donné, hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Non, mais toi, t'as juste à aller au parc et tu manges les plantes, c'est gratos. Ah, petite salope de raps. Petite salope de raps. Ouais, mais moi j'ai une PS5. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis.
moi j'ai une PS5. Oh, il faut encore des bûches. Oh putain. Bon, vous savez quoi, j'en ai marre de ce jeu. J'ai voulu en avoir une et elle s'arrête dans mon salon. Menteur. Mauvais joueur. Mais tu l'as dit. Mais oui, je... Mais alors, Flo, il bite rien. Il bite rien. Non, mais Flo. Flo. Voilà. On bite rien et en plus on s'en fout. Flo, tu fais chier. Pour la peine, j'arrête de streamer. Voilà, sauvegarder. Ah, tu m'as saoulé. Ha ha ha.